Patrice Bess, bonjour. Bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui parce que vous allez recevoir jeudi 28 mars une distinction de reconnaissance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel et architectural. Ce prix vous sera, ou cette distinction vous sera remise à l'UNESCO par l'Institut international de promotion et de prestige à Genève. Comment, donc vous êtes, je précise que vous êtes agent immobilier. Absolument. Et que votre spécialité, votre identité, c'est de vendre essentiellement des monuments à caractère historique, patrimoniaux, des châteaux, des manoirs, mais aussi des édifices religieux et peut-être aussi des biens plus insolites. Absolument, absolument. Comment recevez-vous tout d'abord cette distinction ? Eh bien, écoutez, moi je considère que c'est un honneur de distinguer une agence immobilière parce que il n'est pas tout à fait l'usage de reconnaître le travail des agences immobilières. Moi, je prends ça comme la reconnaissance d'un long travail entamé il y a plus de 20 ans pour ma part. Mon grand-père avait monté cette agence en 1924 et puis mon père l'a reprise et puis maintenant moi depuis 20 ans. J'ai orienté l'activité de cette agence immobilière effectivement vers la cession des édifices de caractère divers et variés, donc du patrimoine architectural français. Et recevoir cette distinction, effectivement, m'a fait réfléchir aux raisons pour lesquelles j'ai été distingué. Et finalement, je me dis, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part de dire ça, mais que c'est pas si anormal que ça. Parce que nous ne sommes pas simplement à la recherche de clients acquéreurs sans regarder un peu le projet qu'ils peuvent déployer dans les bâtiments que nous leur vendons. Et de plus en plus, nos vendeurs viennent nous voir parce qu'ils savent que nous ferons attention à la destination future du bâtiment. Alors quelquefois ça peut être un vœu pieux parce que les gens peuvent changer d'idée une fois la vente réalisée ou peuvent revendre le bâtiment derrière à des gens qui le respecteront moins. Mais en tout cas, je me rends compte que la façon dont nous présentons ces bâtiments, le travail préliminaire que nous faisons de montage de dossiers, de recherche architecturale, de recherche historique, fait par là même que nous attirons une clientèle d'amateurs et de gens qui seront respectueux de ces bâtiments. Est-ce que ça veut dire aussi que vous pouvez aller jusqu'à ne pas réaliser une vente parce que vous avez un doute ? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est évident. C'est évident quand on est des gens qui ont des projets qui ne correspondent pas du tout au bâtiment. Les vendeurs, les premiers d'ailleurs, le refusent, très souvent. Et puis nous, on les met en garde. Ou en tout cas, quand on a un doute sur l'identité, pas l'identité d'un acquéreur, mais sur le projet que veut mener un acquéreur dans un bâtiment, on en informe le vendeur en disant, bon voilà, on sait que là, vous avez une chance de réaliser une vente. Quelquefois, les vendeurs sont contents de réaliser. C'est pas toujours facile de vendre ces bâtiments. Mais sachez que votre bâtiment risque de ne pas être ce qu'il est actuellement. Donc on informe les gens. Mais ça nous arrive très très rarement parce qu'encore une fois, quand on présente ces bâtiments d'une certaine façon, on attire une certaine clientèle. Et nous, on n'a jamais eu, par exemple, parce que c'est un sujet qui est sensible et qui vous intéresse, on n'a jamais eu, par exemple, pour un édifice religieux quel qu'il soit, un projet de Kentucky Fried Chicken à l'intérieur. On n'a jamais eu de demande. Vision, une église de Nancy qui était en vente. Par exemple. Mais on a jamais eu ce genre de demande. On a toujours des demandes qui correspondent assez bien à ces édifices. Alors comment procédez-vous? Expliquez-nous. Je ne sais pas si c'est un secret de fabrique, mais comment en amont vous arrivez au résultat que vous dites avoir? Quelles sont les précautions que vous prenez? Qu'est-ce qui fait que vous recevez une distinction quand même pour la sauvegarde du patrimoine culturel? En quoi vous êtes un agent de sauvegarde? On est un agent de sauvegarde parce que d'abord on sélectionne beaucoup les bâtiments dont on s'occupe. D'accord. On a beaucoup de bâtiments qui sont malades, on a beaucoup de bâtiments qui sont en déshérence, on a beaucoup de bâtiments qui sont compliqué structurellement à vendre parce que ce sont des bâtiments quelquefois très importants, de très grande taille, ou des bâtiments très techniques à vendre. Quand on vend des ruines, par exemple, et quand je parle de ruines, je parle de tas de cailloux.
donc des bâtiments, enfin des tas de cailloux qui ont une valeur patrimoniale énorme, eh bien il faut arriver à trouver à faire venir un acquéreur et à le motiver sur ce, donc là il y a des projets très importants à mettre derrière, et notre secret c'est le travail. Notre secret, c'est d'aller très loin dans la découverte du bâtiment, bien au-delà de ce que fait une agence immobilière classique. Moi, j'ai mené une agence immobilière classique très longtemps. Je prenais un bâtiment en vente, j'arrivais dans mon agence, je faisais 3 lignes de texte, je collais ça en vitrine ou je mettais ça sur un site généraliste, et puis j'attendais que le téléphone sonne. Un bâtiment comme ceux dont nous parlons maintenant, c'est pas du tout la même démarche. C'est-à-dire que entre le moment où on a un contact avec le bâtiment et son propriétaire et son occupant, et le moment de la réalisation de l'acte définitif, il se passe souvent 2 ou 3 ans. Donc vous imaginez qu'il y a un long travail d'accompagnement là-dedans. Alors c'est tout ça, je pense, qui fait que, effectivement, on a été distingué par rapport au travail classique d'une agence immobilière. Alors vous distinguez ou vous choisissez les vendeurs. Est-ce que vous arrivez à choisir les acheteurs? Est-ce qu'il y a un profil d'acheteur qui vous intéresse ou... Oui, enfin, je dirais que naturellement, encore une fois, par le travail de présentation et la façon dont on a présenté ces bâtiments et les supports dans lesquels nous communiquons, les acquéreurs se présélectionnent d'eux-mêmes. Et même quand on a affaire, je pense à un dossier que l'on a en ce moment, à un acquéreur russe par exemple. Quand on parle le russe, ça fait peur à tout le monde. Eh bien, on a actuellement un acquéreur russe qui est un monsieur extrêmement érudit, qui doit connaître l'histoire de France certainement mieux que moi, et qui, je suis sûr, si le propriétaire accepte de lui vendre son bâtiment, fera des choses extraordinaires dedans. Et aura en plus des moyens importants pour redonner une deuxième vie à ce bâtiment, ce que n'aurait pas forcément un acquéreur français. Donc vraiment, les clients qui viennent vers nous sont naturellement déjà présélectionnés. D'accord. Et il y a des qualités que vous percevez tout de suite, si un acheteur vous paraît intéressant ou pas? Oui, dans les questions. Quels sont vos critères? Dans les toutes premières questions. Oui. C'est-à-dire que quand un acquéreur vient nous voir et nous dit combien ça coûte, on se dit, bon, il n'y a pas que le prix qui motive. Le prix est un élément important, bien sûr. Mais... moi je le dis souvent, le prix d'acquisition de ces bâtiments, c'est le ticket d'entrée pour se mettre une charge sur le dos pendant 10 ans, 20 ans ou 50 ans ou 100 ans. Donc le prix d'acquisition n'est pas déterminant en soi. Ce qui est déterminant, c'est la motivation d'un acquéreur à faire vivre un bâtiment. Et puis on sait bien que en ce moment, le principal souci des occupants de ces bâtiments, c'est d'arriver à leur trouver une activité économique qui fasse que le bâtiment soit à peu près autonome, et qu'au moins les frais d'entretien, les charges de travaux, etc., soient couvertes par une activité économique quelconque. Donc c'est en ça qu'on peut aider des acquéreurs. Alors ça, donc c'est le discours de la direction de l'agence. Absolument. Vous avez des collaborateurs. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Est-ce que vous les formez? Vous les choisissez selon des critères, là aussi, qui puissent... Alors, la question est intéressante. Entre la théorie et la pratique. Mais oui, non, mais bien sûr. Comment on arrive à concilier tout cela? Vous avez raison de poser la question. Moi, j'ai 45 collaborateurs, à peu près. Mon ambition, dans les 18 mois qui viennent, c'est d'en avoir une centaine. Il y a quelques temps encore, j'hésitais à ce développement, parce que je me disais, le jour où on sera 100, l'esprit sera perdu. Et on se rend compte qu'en fait, à 45, on maintient l'esprit. Donc à 100, on maintiendra l'esprit, le même esprit de développement, et le même esprit dans la transaction. Et dans les collaborateurs que l'on choisit, moi je dis qu'il y a 2 pivots pour exercer le métier tel qu'on le fait. Nous, c'est culture et commerce. Alors le commerce, c'est facile. Il suffit de faire une école de commerce, c'est pas très compliqué le commerce. La culture, c'est plus compliqué. Et en général, des gens qui ont ces deux qualités, ça n'existe presque pas. Moi, j'en connais très peu. Alors, je préfère maintenant choisir des gens qui sont du côté de la culture et que j'initie au commerce, que des gens qui ont des qualités commerciales, que j'essaye d'initier à la culture. C'est un peu présomptueux de ma part, peut-être de dire ça, mais je le dis quand même. Mais, donc, dans nos collaborateurs, on se retrouve en ce moment
Je cite quelques professions comme ça au hasard. On a des metteurs en scène de cinéma, on a des écrivains, on a des journalistes, on a des architectes, et pas des moindres, parce qu'on a un architecte du patrimoine qui vient nous rejoindre pour travailler avec nous. Donc vous imaginez un architecte du patrimoine qui vient collaborer avec une agence immobilière. Moi j'en suis extrêmement fier. Je suis très surpris et très fier. Lui, vous utilisez comme accompagnateur de projet ou comme un commercial de terrain ? Comme un commercial de terrain. Comme un commercial de terrain, qui en plus aura sa culture, évidemment, architecturale en plus. Mais ça, c'est quelqu'un, par exemple, qui vient nous retrouver parce qu'il adore notre façon de pratiquer ce métier et qu'il se dit, c'est la poursuite, finalement, de mon projet architectural. Donc, vous voyez, on a des gens de tous univers, on a des musiciens, quand j'ai des musiciens, on a de grands musiciens qui sont venus travailler avec nous, on a des dresseurs de chevaux, on a des gens d'univers très différents, et c'est ça qui fait la force de cette entreprise, c'est qu'on a plein de gens pour analyser plein de bâtiments différents qui ont tous des approches très sensibles. Et en tout cas, le point commun, c'est en tout cas, ça se dit dans toutes les agences immobilières, mais chez nous c'est vrai, c'est l'amour des vieilles pierres. Voilà. Il y a vraiment une passion commune qui est le patrimoine architectural.